Steve Husky et Nicolas Cano s'intéressent aux poissons rapides, à ces prédateurs spécialisés dans l'attaque éclair. Après avoir filmé et observé les poissons qui s'alimentent par aspiration, comme les mérous, l'équipe veut maintenant étudier le comportement du barracuda. Ce poisson armé de dents percute ses proies. Il les attaque à une vitesse ahurissante. On dit que c'est un des prédateurs les plus redoutables des océans. Il n'est pas une personne. Il faut juste que ça rentre dans sa mâchoire. Il a vite fait de déchiqueter sa proie et de la débiter en petits morceaux avant de l'avaler. L'équipe a repéré une épave qui gît par 20 mètres de fond. La structure rouillée sert de récif artificiel attirant les poissons et leurs prédateurs. Nikolai place un appât au bout d'une tige afin de pouvoir se tenir à distance. Les dents acérées du barracuda peuvent infliger de sérieuses blessures. Les barracudas mangent n'importe quoi. Ils adorent tout ce qui brille, ce qui explique les quelques attaques dirigées contre l'homme. La première fois qu'on a cherché les barracudas, c'était magnifique. L'endroit était superbe. Il y avait 5 barracudas sur la proue du bateau. Tout était parfait. On s'est installé, on a posé l'appât, mais ils n'ont pas bougé. Ils nous observaient. On s'est regardé, genre, bah, pourquoi ils font rien? Je crois qu'on n'était pas assez discrets. Et de nouveau, leur présence inquiète les poissons.